Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette journée aînée. Venez vous informer et vous amuser. Donc, c'est une journée qui est organisée en collaboration avec la table de développement des communautés de Farnham et Région. Donc, il y a plusieurs organismes qui collaborent à l'organisation de cette journée-là. Et on se fait un plaisir de vous offrir plein de cadeaux. Entre autres, si vous n'êtes pas passé à la table du goûter à l'arrière, vous avez des gourdes avec de l'eau à Maro. On a du fromage en grains de la fromagerie des Cantons. On a des biscuits qui ont été cuisinés par les fermières. Et puis, évidemment, bien, si vous avez fait le tour, sinon tout à l'heure, on va être encore là, mais faites le tour de kiosque. Tous les organismes se sont conciliés pour être là aujourd'hui, pour vous offrir plein de cadeaux, des pamphlets de l'information. Donc, tout est là. Alors, il y a, naturellement, il y a la ville de Farnham, il y a la caisse Desjardins, caisse La Pommeraie, tout. En fait, les résidences Magenta, l'avenir, il y a la FADOR, groupe Léovien, il y a des ourdis, puis il y en a d'autres. Si, en fait, vous allez les voir tourner en boucle les autres commanditaires, il y a le jardin. Je me souviens aussi, il y avait la cuisine d'été, et puis on prenait notre bain d'un bain de bois. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Alors, Madame Dubois, je vais vous demander, vous êtes native de quel endroit, de quelle ville, est-ce que vous êtes native de Farnham? Est-ce que tu as toujours vécu à Farnham et que tu es née à Farnham? Je suis née à Farnham. Et
vos parents, c'était... Mon père a été mort par l'entre, OK, oui. Alors, les Polander, leur métier, c'est leur travail, ils faisaient les portes-châssis. Portes-châssis et finition. OK. Alors, vous êtes une Polander et vous avez marié M. Dubois. Le prénom de votre mari, c'est? René. René. Ah bon, c'est pas trompé. Dans la mémoire, vous avez senti René. Alors, et vous avez vécu à Farnham, ou dans quel lieu viviez-vous à Farnham quand vous étiez enfant? Est-ce que vous aviez un beau jardin, Mme Bouchard? Oui, madame. Ouais. Puis vous deviez faire des concerts? Tout. Oui. OK. Donc, à chaque été, vous faisiez vos concerts, le ketchup, les marinades. Est-ce que vous faisiez aussi du carrage? Bon. OK. Vous avez eu combien d'enfants? Combien d'enfants vous avez eu? Cinq. Vous avez eu 5 enfants. OK. Vous allez faire la présentation? Oui. Oui. Je suis allée à la même école que vous? Oui. L'école sur la rue Saint-Paul? Oui, c'est ça. C'était l'école Sainte-Famille? Oui. Il me semble que je suis partie de Sainte-Famille. Bien, c'est ça. Ben, j'ai enseigné à cette école-là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est sûr, ben oui. Alors, vous allez à l'école, est-ce que vous marchiez pour aller à l'école? Oui, oui. On allait à l'externo. Oui, OK. C'est à l'école. C'est Madame Bessette. Madame Bessette, elle est juste là. Alors, il y a Monique Roy, qui est présidente de la FADA, qui va remettre à Madame Dubois un bouquet aussi. Et puis, elle va remettre aussi un bouquet à Madame Giroux. Alors, Madame Giroux est dans ce coin. Madame Giroux est juste là. Ensuite, plus on vieillit, bien sûr, plus on a de risques. Donc, à 75 ans, c'est une personne sur deux. Okay? Et la plupart de ces pertes auditives-là sont irréversibles. Donc, c'est vraiment important d'aller voir un spécialiste et vraiment de faire quelque chose quand on a un doute sur nos oreilles. Okay? Sol. On s'enroule selon le confort de notre dos.
On relâche la tête, on respire et on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. OK? Il y en a qui vont toucher le sol, il y en a d'autres non. OK? On le fait trois fois. Donc, on enroule tranquillement la tête, les épaules. J'amène mes bras entre mes genoux, entre mes talons. Je prends une bonne respiration et je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et son plus grand succès en 1965, elle fait de lui une vedette internationale. Please release me and let me go. For I don't love you anymore. Our lives would be a sin. Release me and let me love again. Let me go.